Je profite de cette soirée pour vraiment féliciter et dire le plus grand respect que j'ai pour Saïd. Alors même que ce franco-marocain, hyper connu ici comme à l'étranger, aurait pu se faire rapatrier en France depuis le mois de mars, le mec, il se bat pour faire passer en priorité les familles et il a réussi à faire rapatrier plus de 200 personnes. Plus de 200 franco-marocains en France. Ce qui montre la différence entre les pseudo-revendicateurs du bled qui y vont pendant les vacances et qui parlent des gens du bled comme des blédards et ceux qui font des choses concrètes. Mon ami Saïd, big respect, viva Marocco et vive toi. Et vive toi. Comme je dis toujours, j'aime les vrais Marocains, j'aime pas les mecs qui s'inventent des vies, j'aime pas les sales races qui achètent des femmes au Maroc à 80 euros, j'aime pas les mecs qui revendiquent le bled mais qui y vont que quand ça les arrange, j'aime pas les mecs qui ont pas de fierté, qui sont toujours en train de cracher sur la France, alors même qu'ils sont très heureux d'y être aujourd'hui et pour rien au monde ils resteraient au bled en ce moment. Voilà, grand respect à toi, grand respect parce que t'aurais pu te la couler douce et reprendre ton avion et rentrer chez toi, t'es encore là-bas. Big respect, mon vieux. Voilà. Passez le message. Saïd Tagmaoui, respecté par la famille royale. J'ai mis sa photo avec même le fils du roi du Maroc, le prince héritier. C'est tout dire, le respect, et il n'en parle pas. Voilà, c'est du concret.